Bonjour et bienvenue sur Style Comics, la chaîne qui s'intéresse à l'art graphique des comic books. Je suis Suprématon et aujourd'hui je vais vous parler de Danger Girl. Danger Girl est une mini-série créée en 1998 par Jeffrey Scott Campbell et Andy Hartnell sous le label Cliffhanger du studio Wildstorm. Campbell sortait alors d'un run de 3 ans sur Gen 13, l'équipe de super-héros adolescents lancée par Jim Lee et Brandon Choi. Son style s'y était développé de façon étonnante. Dans la première mini-série en 5 épisodes, Campbell faisait ses classes et copiait maladroitement le style du patron, Jim Lee, comme d'ailleurs bon nombre de dessinateurs du studio Wildstorm à leur début. Puis, lors du lancement de la série continue dans les mois suivants, on commence à le voir s'affranchir petit à petit de cette influence. On remarque ainsi une tendance à exagérer davantage les designs, que ce soit par l'allongement des silhouettes ou l'agrandissement des yeux. Il faudra attendre le célèbre épisode 13 de Gen 13, avec son cortège de caméos de personnages de comics, pour sentir que Campbell est désormais aux commandes d'un style graphique affirmé qui lui est propre. Les visages sont d'ailleurs déjà caractérisés par les formes de nez et d'yeux qui vont devenir sa marque de fabrique par la suite. J. Scott Campbell passera petit à petit la main à d'autres artistes, notamment au regretté Al Rio, qui avait la capacité de reproduire assez bien son style sur Gen 13. Pourtant, lorsque Campbell revient sur Danger Girl, il a clairement fait mûrir son style et va proposer des planches qualitativement supérieures à celles de Gen 13. Outre l'accentuation de son approche un peu caricaturale des personnages, il fait surtout preuve d'un vrai talent pour le découpage et le storytelling qui n'était pas forcément visible sur les aventures de Caitlin Fairchild et ses amis. Je vous propose donc aujourd'hui de vous plonger ou replonger dans cette mini-série extrêmement dynamique qui mélange James Bond, Lara Croft, Star Wars, G.I. Joe et les aventuriers de l'Arche perdue, pour découvrir comment l'aspect sexy de ces héroïnes, dont tout le monde se souvient, est au final bien anecdotique à côté de la masterclass de mise en scène dont ces planches nous gratifient. Commençons donc par évoquer l'évidence. Le succès du style de J. Scott Campbell repose en grande partie sur sa capacité à dessiner des jolies filles dans des poses sexy. À une époque où Lara Croft était une icône autant pour son buste que pour ses jeux vidéo, rien d'étonnant à cela. Mais les pin-ups de Campbell se situent pourtant graphiquement dans un segment particulier. Elles n'ont ni le réalisme presque photographique de celle d'Anna Dabhuges, ni l'exagération cartoon d'une Red Monica par Joe Madureira. Elles se situent plutôt dans le créneau d'Arthur Adams, une grande référence pour Campbell, qui part d'une anatomie réaliste mais en exagère certains attributs et surtout y appose des visages expressifs et presque caricaturaux. On reconnaît donc les femmes fatales de J. Scott Campbell à la forme de leur corps en sablier, à leur poitrine ronde, à leur nez retroussé, à leurs yeux de chat et à leur chevelure pleine de reflets. À partir de cette base récurrente, l'artiste décline donc des variantes en changeant quelques éléments et cherche des postures iconiques valorisant la courbure des hanches ou la profondeur des décolletés. Mais si on peut saluer sa capacité à rendre ainsi ses personnages féminins dynamiques et jolis à regarder, on pourra aussi trouver que cette construction est trop redondante et n'apporte pas assez de variété dans ses héroïnes, contrairement à ses protagonistes masculins qui eux diffèrent beaucoup plus les uns des autres. Cela donne un peu l'impression au final que Campbell est graphiquement prisonnier d'un seul modèle pour ses jolies filles, comme une poupée Barbie dont on changeait uniquement la couleur de cheveux et les vêtements. Cette double page est donc pour moi beaucoup plus intéressante en termes de composition et de narration. Campbell y choisit une approche purement iconographique et crée 4 tableaux présentant chacun des Danger Girl. Outre le fait que cela rappelle le générique de Charlie's Angel, drôle de dame en version française, cette idée évite d'alourdir les textes et donne visuellement des informations clés telles que les armes utilisées, le passé et le costume des différents personnages. Si l'agencement des images contredit un peu le sens de lecture des captions et que la mise en couleur sur Sydney ne fait pas aussi bien ressortir sa pin-up que les autres, l'ensemble demeure une double page belle et efficace qui montre déjà que Campbell va construire sa mise en scène avec des idées inspirées du cinéma, de l'animation mais aussi de l'illustration. Dans cette autre scène en 2 pages, on va voir comment J. Scott Campbell veille à placer une de ses héroïnes dans une pose sexy au cœur de la page sans sacrifier pour autant sa narration. Ainsi, Sydney Savage est confortablement installée et Campbell utilise 2 éléments pour qu'elle attire bien l'attention. Il y a tout d'abord les aplats de noir de son costume qui tranchent avec le reste de la page très clair, mais aussi son positionnement sur un axe transverse de la planche où se situent les principaux visages. Les éléments à droite de chaque case viennent ainsi compléter la partie de gauche. Le fouet qui éteint la télé, l'émission qui provoque la réaction de Valérie, la main de cette dernière qui pointe vers Sydney, la cause de son énervement, et qui permet aussi de découvrir Abbé et Natalia.
et la main de Sydney qui tient son fouet. Dans la deuxième page de cette scène, c'est la pin-up de Natalia qui est mise en valeur, mais par deux autres procédés. Elle est la seule dans une case ouverte et aérée, et les autres panels s'organisent et se superposent autour d'elle, en laissant beaucoup de vide autour de sa silhouette. J'ai aussi aimé le petit effet de montage dans la partie supérieure. La dispute en case 1 et son excès de bulles est brutalement stoppée en case 2 par le couteau qui semble avoir fait disparaître toutes les bulles sur son passage. Je m'interroge cependant sur l'insert d'Abbé dans la petite case entre les deux. D'un côté, c'est malin pour montrer la réaction du personnage à l'ambiance orageuse, mais Campbell y brise une règle de dessin et va lier plusieurs traits d'Abbé avec ceux des autres cases, donnant l'impression qu'il les prolonge. Certes, cela permet une incrustation plus discrète, mais cela donne l'impression d'une fusion des corps étrange, notamment au niveau du cou de Valérie. Dans la case suivante, on peut noter que Campbell met dans la main de Natalia un autre couteau pour bien rappeler que c'est elle qui a envoyé le précédent, même si on peut se demander d'où elle les sort vu sa tenue. La zone suivante utilise habilement le dos de Natalia comme transition graphique, mais il n'était sans doute pas nécessaire pour Campbell de reculer son cadre au point de dévoiler le fessier dénudé d'Abbé, dont la rondeur fait écho à celle du crâne juste à côté. Enfin, je terminerai en saluant l'expressivité d'Abbé sur ces deux images finales et l'utilisation d'une case circulaire très adaptée pour faire un zoom sur la réaction de la jeune femme. Dans cette page extraite du prélude, on pourrait croire que là encore, Campbell se contente de valoriser la plastique de son héroïne. Mais ce qui m'a surtout interpellé, c'est la construction de l'image qui a été pensée pour accentuer l'impression de danger imminent. On a d'abord les deux crocodiles dont les gueules convergent vers Abbé. L'artiste joue même sur une sorte de perspective forcée pour donner l'impression que la mâchoire de celui de droite est sur le point de se fermer sur la gorge de la jeune femme. Le pistolet est évidemment un axe menaçant, mais j'aime surtout le triangle global qui vient enfermer Abbé au centre de la page. Sur la planche suivante, J. Scott Campbell joue encore plus avec l'idée d'une cohabitation entre des personnages hors case et des panels disposés autour. Il positionne aussi habilement le gros plan du pistolet face au visage d'Abbé sur le même niveau que l'arme dans l'image précédente. Mais je suis cependant un peu plus réservé sur le dernier gros plan du bad guy qui ressemble à une version diabolique de Timothy Dalton. En effet, le fait que sa jambe de la première case passe par-dessus lui dans la dernière case a pour effet, selon moi, de nuire un peu à la chronologie de lecture. Bien qu'assez pauvre en décor, cette page offre 4 bonnes idées de mise en scène. Tout d'abord, la superposition de la case déformée sur le visage d'Abbé cache ce dernier en mettant l'accent sur l'expression de son regard déterminé quelques secondes auparavant. La représentation visuelle du cassage de noix du bad guy est aussi très marrante et bien trouvée, en plus d'être parfaitement positionnée pour suivre le mouvement du coup de pied et ainsi créer un axe de lecture. J'ai aussi bien aimé l'idée des cases de compte à rebours qui s'insèrent petit à petit en prenant de plus en plus de place pour signifier l'imminence de l'explosion. Enfin, Campbell cadre intelligemment en contre-plongée Abbé car elle est perçue du point de vue de son adversaire fraîchement castré. Elle le domine donc tranquillement et même lorsqu'il semble retrouver son flegme, sa case reste en dessous de la jeune femme. Dans la page qui suit, je trouve que la tendance de Campbell à essayer de mettre beaucoup de choses dans ses planches provoque des petits bugs graphiques. Globalement, tout est ici lisible et compréhensible, avec notamment cet enchaînement très visuel du crocodile ouvrant et fermant la gueule sur sa proie. Mais en superposant les cases au moment de la contre-attaque d'Abbé, Campbell fait reposer les mains de cette dernière sur le sol de la case en dessous. Cela aurait pu fonctionner si les deux actions avaient été simultanées, car cohérent au niveau de l'espace occupé. Mais comme il y a une case avant où Abbé est redressé, cela ne marche plus selon moi. La fuite de la jeune aventurière me pose aussi question, car je la trouve à la fois logique et contre-intuitive. Elle est logique en effet car Abbé fuit par le bassin qui se trouve derrière elle, donc elle saute dans le bon sens, à l'opposé de la menace se trouvant devant elle. Mais cela semble aussi contre-intuitif, car elle se dirige alors vers l'intérieur de la planche et non vers l'extérieur, ce qui est plutôt la règle, surtout quand on veut inciter à tourner la page. Peut-être que j'ai aussi cette impression car la rambarde du décor se prolonge sous les hommes armés de la case précédente et ils ne sont même pas bien mis en valeur au niveau de la couleur. Et comme dans la page suivante, Campbell change complètement d'angle et bascule à 180 degrés, on la voit alors aller de la gauche vers la droite, donc dans le sens de lecture, mais du coup dans le sens opposé à l'image de la page précédente. Ce cadrage pose aussi un autre petit souci pour moi. Si la décomposition du mouvement est top, il manque une traduction de la temporalité saccadée de la scène. Généralement, deux astuces sont utilisées.
L'image est découpée en trois cases qui partagent le même décor, mais on comprend alors que chaque case montre le personnage à un stade différent de sa progression. Ou alors, le coloriste et le dessinateur a tenu le rendu des deux premiers mouvements pour imiter le principe de persistance rétinienne et donner l'impression que ces images ne sont que les souvenirs d'une action dont la fin est elle bien réelle sur le côté de la case. Mais vous l'aurez compris, Campbell sait qu'il va distraire le lecteur, à la fois avec l'attaque surprise du croco habilement caché derrière la tête d'Abbé et par la mise en avant du postérieur partiellement dénudé de la jeune femme. Enfin, les trois dernières cases fonctionnent, même si le positionnement des bulles n'est pas logique par rapport au sens de lecture, l'insert d'Abbé se situant trop bas par rapport à l'image du bad guy. Je passe plus rapidement sur la page suivante qui est très bien dessinée et qui annonce habilement la course-poursuite encadrant les deux véhicules dans le même axe de direction comme s'ils étaient sur la même ligne de départ et en faisant de même avec leurs conducteurs respectifs. Cette page n'est pas en soi très spectaculaire mais sa première case est vraiment bien construite. Tout d'abord, elle dispose d'un axe en V qui part de la conclusion de l'action précédente et qui indique la direction par anticipation de la suivante. La posture d'Abbé sous l'eau suit d'ailleurs cet angle car c'est elle qui est entre deux actions. De plus, l'image est segmentée en trois zones, à gauche notre héroïne, à droite son objectif, et au milieu vient le moyen qui va s'imposer à elle pour atteindre ce dernier. Cette composition permet donc habilement de préparer la case suivante dans laquelle Abbé va voir passer le harpon devant elle et comprendre qu'elle doit l'utiliser. Dans la planche suivante, j'ai bien aimé les choix de format de case que Campbell fait. Dans la première ligne, il met bien l'emphase sur le tir au harpon, en l'encadrant des moments qui le précèdent et lui succèdent dans des petites cases adaptées qui en traduisent la brièveté. Dans la ligne en dessous, il fait un très bon usage des délicates cases en triangle. Dans la première, il utilise les jambes d'Abbé pour remplir la case et utilise la perspective vers la pointe pour indiquer le sens de la remontée. Dans l'autre, le triangle s'inverse pour montrer la sortie de l'eau et l'arrivée à l'air libre, donc le passage d'une situation étouffante à une autre moins anxiogène. Il en profite aussi pour changer totalement d'angle de vue, ce qui passe finalement très bien, car ces cases triangulaires évoquent déjà une certaine symétrie. Je terminerai enfin avec cette séquence de poursuite menée tambour battant dans ce qui ressemble à une route de la banlieue parisienne. Campbell va y mixer des pures techniques cinématographiques de montage avec un travail purement graphique sur les cases. Après avoir commencé par un plan d'ensemble présentant les trois groupes de protagonistes, chacun dans son véhicule, l'artiste propose quatre cases qui semblent issues d'un storyboard classique de film, tant dans son rythme que dans son utilisation d'un effet de surprise sans changer de point de vue. Campbell recourt encore une fois à une case en triangle pour accentuer le mouvement et l'impact des pieds de Sydney sur les soldats, mais ce choix a aussi deux autres avantages. D'une part, il crée deux axes parallèles qui montrent l'éjection en deux temps des soldats dans le même sens, et d'autre part, le contour de la case renforce aussi la sensation d'embardée que fait le camion privé de son conducteur, car l'horizon est alors penché dans le sens opposé et le véhicule est décadré, sortant presque littéralement de la page. Dans la page suivante, j'ai aussi beaucoup aimé ces deux cases dont l'inclinaison des côtés sert à faire deviner le mouvement que Sydney donne au camion. Campbell peut alors se contenter de montrer la conséquence de cette action en penchant légèrement le véhicule sur un axe contraire des bad guys qui en tombent. Le dessinateur rappelle aussi immédiatement la position des différents protagonistes dans l'espace sans opter pour un cadrage large du décor. Abbé, regardant l'action précédente en se tournant, nous fait comprendre qu'elle est devant le camion de Sydney et les cases suivantes nous montrent qu'elle est en même temps aux trousses de l'autre voiture. Je me rends compte à ce stade que j'aimerais pouvoir vous parler d'autres planches de cette mini-série mais la vidéo est déjà très longue je crois. Je terminerai donc avec cette double page aérienne qui joue cette fois-ci sur la verticalité et la distance. Si on met de côté le fanservice de la petite culotte, cette première planche est un bel exemple de l'intérêt du changement d'angle. En effet, les quatre premières cases sont vues en contre-plongée comme pour épouser le point de vue d'Abbé qui tente de s'accrocher à l'hélicoptère. Mais à partir du moment où elle prend le coup de fusil mitrailleur, Campbell passe en vue en plongée pour créer immédiatement du suspense autour de la chute. Il est d'ailleurs dommage qu'il n'ait pas pu placer la première case de la page suivante dans cette même page, car cela aurait encore plus accentué le suspense selon moi. Placée ainsi à gauche de la page suivante, cette chute vertigineuse est en effet instantanément désamorcée par la grande case de l'atterrissage d'Abbé sur le camion. Mais le reste de la planche est superbe car elle repose sur un effet de zoom arrière-avant qui correspond bien à la situation et dont l'articulation se fait très symboliquement par l'image du sniper en train de viser. On a ainsi le zoom arrière qui mène jusqu'à lui, puis, une fois qu'on a compris qu'on a adopté son point de vue, on repart en zoom avant vers le doigt d'Abbé. Et pour une fois, l'envahissement d'un élément d'une case vers une autre fonctionne bien, car ici on a l'impression que le doigt d'Abbé est comme une arme lui aussi braquée vers celle du sniper, ce qui prend tout son sens quand on voit ce qu'elle a autour.
Voilà, vous l'aurez compris, je trouve que Danger Girl est à l'image de ses héroïnes, plus complexe et intéressant que ses atours extérieurs les plus visibles. Je vous invite donc à lire, relire ou re-relire cette mini-série pour mieux comprendre pourquoi, malgré la légèreté de son scénario et les tenues vestimentaires de ses personnages, Danger Girl a marqué les esprits des fans de comics à la fin des années 90. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire s'il y a d'autres œuvres que vous aimeriez que j'étudie sur ce même principe, mais par pitié, ne me collez pas tout de suite des comics mille fois analysés comme Watchmen, Dark Knight Returns ou The Killing Joke. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner pour soutenir la chaîne ou à venir me suivre sur Twitter. D'ici là, prenez soin de vous et soyez suprêmes.